Donc salut à tous, c'est Atimixid. Bienvenue pour la troisième partie de la vidéo débat Fun versus Meta numéro 3 en compagnie de The Pro Yu-Gi-Oh! Synchro et Aporia 31. Je vais sans plus attendre laisser parler Synchro qui voulait parler à propos du fait que les decks méta permettent facilement aux gens qui ont des sous pour se les payer de gagner. Alors, on parlait d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, le prix des decks, c'est pas vraiment Konami qui est fixe. Ce que Konami fixe, c'est la rareté des cartes, c'est-à-dire la chance, en quelque sorte, de trouver une carte dans un certain booster. Ensuite, du moment qu'ils ont vendu le booster, ça s'arrête là. Après, c'est les joueurs eux-mêmes qui vont faire en quelque sorte la cote des cartes par rapport à la recherche qu'ils vont faire de cette carte. Donc, à partir de là, il ne faut pas s'étonner qu'une carte que tout le monde veut parce qu'elle est forte cote. Et à partir de là, c'est clair que c'est celui qui a le plus d'argent qui pourra se payer. Mais bon, après, on peut toujours imaginer le type qui arrive en total outsider avec un deck auquel personne n'aura pensé ou personne n'aura cru. Et qui gagne un match. Donc il y a The Pro Yu-Gi-Oh qui voulait réagir. Oui, alors moi je trouve ça plutôt. Comment dire? Certes, les decks méta sont chers, mais comme j'ai dit, ils ne sont pas imbattables. C'est ça qui fait la beauté du jeu en fait. C'est qu'un deck peut coûter plus de 500 €. Ben, un petit deck qui vaut lui moins de 50 € peut très bien faire l'affaire contre ce même deck. Donc c'est pour ça que je trouve que finalement, bon. Il n'y a pas un aussi gros désavantage que ça. Et puis, quand on regarde par exemple dernièrement, enfin, c'était je crois l'avant-dernière XS, il y avait quand même un deck Hero qui avait fait 10-0 au round. Alors que le deck Hero, je le rappelle, c'est quand même un deck de structure. Quoi. Donc, c'est pour ça que je dis que quand un deck soit cher ou non, certes, les decks chers ont des avantages par rapport aux autres, mais ils ne sont pas non plus imbattables. Ouais, donc là, je vais profiter de ce que tu as dit pour rebondir sur un sujet toujours en rapport, mais qui diffère un petit peu. Si on veut à chaque fois sortir un nouveau méta, il faut faire des cartes plus fortes que celles d'avant, ce qui est logique. C'est pour ça que ces 10 dernières années, même plus, les nouvelles cartes étaient à chaque fois plus fortes que les anciennes. Sauf qu'au bout d'un moment, ça a un impact sur le jeu. Qui est le suivant, c'est que le jeu de nos jours est beaucoup moins intelligent qu'il y a quelques années, à mon sens. Pendant l'ère synchro, pour moi, c'était l'apogée du jeu de cartes, c'est-à-dire que les cartes étaient déjà assez fortes, quelquefois cheatées, mais il fallait faire des decks en réfléchissant et tout simplement en étant un peu original et en sachant les jouer. Et c'est là que je trouve aujourd'hui où c'est dommage, c'est que les decks sont beaucoup trop facilement faisables, montable même par des gens qui savent pas trop deck builder. Là, j'arrive sur un sujet qu'évoquait Aporia avant, c'est que le fait que Necroz soit pas facilement prenable en main, je suis pas du tout d'accord, parce que toutes les cartes Necroz se tutoient entre elles, et ça c'est très facile de prendre le deck en main. Donc je trouve ça assez dommage. Non. Oui et non, parce qu'en fait, excuse-moi de te couper la parole, Dark. Si tu veux, pour avoir joué le Necroz, de mon pote justement, c'est si tu veux en fait, alors d'accord, tu vois, tu tutos tout très bien, mais si tu joues ton Necroz comme ça en faisant juste tuto et on ne se demande pas qu'est-ce que tu peux faire de plus, tu vas faire du moins 4 ou moins 3 alors que tu peux facilement faire du plus 3 ou plus 4. Et ça, je voulais aussi dire une autre chose, c'est que tu peux te tuto, mais si tu sais pas jouer le deck, tu vas tuto quoi? Tu sauras pas quoi tuto. Et donc, tu vas pas pouvoir le jouer direct comme ça. C'est vraiment des effets, une accumulation, en fait, d'activation de cartes, d'effets, etc., qui fait, derrière, que les Necroz tournent bien. C'est ça ce que je veux dire. Alors que, par exemple, le Satel, c'est bon, tu fais un effet, tu fais... tout va partir sur un effet, quoi. C'est-à-dire, avec la Call of the Undead, boum, tu ramènes, je sais pas... Vega, effet de Vega, tu fais Altaïr, effet d'Altaïr, tu ramènes Deneb. C'est vraiment juste, ça va partir d'une carte. Alors que le Necroz, non. Tu pourras faire, tu auras plusieurs solutions. Et ça va être très dur de trouver la bonne solution si jamais tu réfléchis pas un minimum. Alors, je suis partiellement d'accord avec ce que tu as dit en disant que le Necroz, au final, n'était pas 100% prenable en main dès le début, comme ça, sans réfléchir. Mais au final, le deck était tellement fort comparé au deck non méta, hein, que même un mec qui le jouait sans trop savoir le jouer contre un deck lambda
pouvait gagner sans savoir jouer. Et ça, je trouve ça dommage. Après, il y a Synchro qui voulait réagir, je pense, par rapport à ça, donc on va l'écouter. Bon, alors par rapport au build, je suis désolé parce que je vais encore être contre toi. Mais la première fois que j'ai essayé le deck Necloz, je devais avoir déjà bu une certaine quantité d'alcool. Et j'ai mis que des monstres, que des cartes bleues. C'est-à-dire que des monstres rituels ou des cartes magie. Et j'ai gagné tous mes duels contre des matchs miroirs même. Des mecs qui avaient build leur Necloz correctement. Donc à partir de là, je veux dire, je connaissais même pas les effets. Je faisais vraiment n'importe quoi et j'arrivais quand même à rattraper toutes mes erreurs. Donc je suis désolé, mais à partir du moment où on peut faire des rituels à partir de extra deck, je veux dire, le respect est un peu mort. Enfin, voilà. Ouais, je suis plutôt d'accord et Synchro m'avait montré sa, entre guillemets, sa première version du deck. Et c'est vrai, il m'avait dit, c'était vraiment au tout début, je crois que le deck était encore OCG à l'époque. Il m'a dit, bah voilà, j'ai pris les cartes, je les ai mis une par une comme ça, et puis j'ai joué, j'ai gagné. Oui, j'avais décidé de mettre aucune carte monstre parce que je trouvais ça plus marrant. Oui, effet de la colle. Et oui, ça marchait, oui. C'est comme carte Exodia avec que des monstres normaux et aucune autre carte, et que vous gagnez à chaque fois. C'est pas normal. Oh, c'est un peu différent, mais bon. Ça amène pour moi sur un autre sujet encore qui dépend de celui-là, parce qu'il n'y a personne qui réagit à ce que tu as dit, Synchro. C'est le fait que, vu que les cartes sont de plus en plus cheatées, on sort beaucoup, de plus en plus de cartes cheatées d'anti-jeu, c'est-à-dire tous les pièges, les trappes, toutes les conneries, et qui sont plus limitées comme dans le temps, parce que dans le temps, les forces miroirs, les trous noirs étaient limités, et maintenant, c'est plus le cas. Ce sont des cartes qui, pour moi, hachent le jeu et qui, encore une fois, enlèvent de l'intelligence au gameplay. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a Yu-Gi-Oh! The Pro Yu-Gi-Oh! Qui est en train d'écrire, donc je vais le laisser parler. Alors moi, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Enfin, en fait, ça dépend en fait, du format actuel. Par exemple, pour l'ancien format, le Darko, le Rikiki, Force de Mémoire était assez utile. Et c'est clair que maintenant, avec le nouveau format, donc le format Cosmo Mass Specter, et les autres decks, c'est clair qu'ils sont beaucoup moins utiles. Donc d'ailleurs, moi je pense que ça va arrêter d'être joué, parce que par exemple contre Mage Specter, tu fais Darkhold ou Regeki, bah les monstres vont automatiquement sur dessus l'extra deck. C'est un peu inutile vu qu'ils peuvent revenir après. Idem pour Cosmo, ils peuvent activer leurs effets du cimetière, se bannir plus spé depuis le deck. Donc je pense qu'on ne verra plus ces cartes là dans ce nouveau format. Bah, je suis tout à fait d'accord, et ça amène justement à un autre problème. C'est que vu que ces cartes ne seront plus utiles dans le méta, elles seront réautorisées x2, x3 partout, et les decks non méta se permettront de les jouer x3 parce que pour eux, ça servira. Et du coup, quand il y aura des duels entre gens qui veulent jouer fun, ils joueront ces cartes, et ces duels-là seront aussi abominables. C'est d'ailleurs la vidéo que je montrais dans Fun versus Méta numéro 1, qui était une vidéo enregistré dans un tournoi fun de la Team Exceed entre deux membres du forum. C'était abominable. Les mecs, ils jouaient une carte, ils se prenaient soit un warning, soit quand ils attaquaient, ils se prenaient un force miroir. C'était complètement what the fuck. Il n'y avait aucune intelligence de jeu. Les mecs avaient leurs mains vides. Pour moi, c'était vraiment abominable. Donc, The Pro Yu-Gi-Oh, tu voulais réagir? Après, c'est clair que c'est abominable qu'on les avait, mais c'est-à-dire que là, les cartes actuelles sont tellement cheatées que même des forces de miroir, des Dark Oil et tout ne font plus rien contre, en fait. Donc là, c'est même pire. Ouais, bah on est d'accord là-dessus. Donc pour qu'elle ne soit plus jeu, c'est vraiment que là, c'est vraiment les nouveaux decks sont vraiment vraiment très puissants, quoi. On peut même pas les gérer avec des Dark Hole ou des Reliki. Ouais, c'est ça. Quelqu'un veut réagir sur ce qu'a dit The Pro Yu-Gi-Oh? Alors c'est pas directement par rapport à ce qu'il a dit, ce que vous dites en général même, mais ça serait plutôt justement par rapport à la force également des decks. Le problème, vraiment, quelque chose qui me pose, qui me chiffonne en fait, c'est pas tellement le fait que des decks méta gagnent, parce que tout simplement c'est logique, c'est le principe de la méta en fait, mais le fait que on se retrouve avec des duels qui peuvent durer 2 minutes, même pas. Enfin, ouais, c'est ça. Il y a certains decks qui déclenchent le tonnerre de Zeus en quelques instants, quoi, et après c'est fini. Donc parfois ça se résume presque au premier qui peut attaquer.
Parce que finalement, si le mec après avait eu le temps de jouer, ben il aurait pu faire quelque chose, mais il passait de 8000 à 0 en un tour. Du coup, ben voilà, c'est fini. Et ça, bon, les plus anciens, enfin, je n'ai même pas vraiment besoin d'être ancien, mais moi je me souviens des duels qui pouvaient durer 1 heure même. Hein. Enfin bon, ça c'était vraiment au tout début quand on jouait un peu n'importe comment, mais après, avec des decks bien construits, on peut quand même arriver à des duels qui durent un quart d'heure, quoi. Enfin, c'est, je pense, assez logique d'avoir des decks qui sont un peu plus réfléchis comme ça, parce que je suis d'accord que vous réfléchissez sur votre tour, mais vous voyez pas dans l'ensemble du duel, parce que de toute manière, vous savez que si vous réussissez, vous gagnez, et si jamais votre stratégie échoue, ben vous perdez, parce que le tour d'après, vous prenez 8000 points de dommage. Donc bon, après, j'ai rien contre les decks OTK, bien au contraire, j'en joue, hein. Je suis même plutôt orienté au TK, mais le problème c'est que après il n'y a plus rien d'autre en ce moment, enfin je pense. Je suis d'accord. Soit c'est ça, soit c'est le contrôle total du terrain et qui laisse à l'autre aucune solution. Par exemple, il y avait la tour qui, une fois sur le terrain, ben, c'est quasiment impossible de la sortir, quoi. Enfin, dans les decks classiques en tout cas, il pouvait que être battu par l'attaque. Et il fallait dépasser les 3500, enfin, de ce que je me rappelle. Donc moi je voulais rebondir sur les decks méta actuels. Donc c'est vrai qu'ils sont, comme tu disais, synchro, très forts maintenant. Et du coup, en fait, ce que fait Konami avec les banlists, ça a son sens. C'est-à-dire qu'ils bannent les decks actuels, les decks méta actuels. Il leur met un cassage total, quoi, pour faire entrer les autres decks méta. Et ça permet du coup de renouveler, bon, bah, du coup, les autres decks méta. Et ça permet également de faire rentrer les decks méta qui sont moins forts, mais avec peut-être une mécanique de jeu différente, et donc avec une façon de jouer différente, qui sont plus sympas, ça peut remettre à zéro les compteurs de puissance. C'est un petit peu ça ce que je veux dire, parce que c'est vrai qu'actuellement, on voit. En gros, bah comme tu dis, synchro, deux types de decks différents. Les decks contrôle et les decks bourrin, plus orientés au TK. Un exemple très simple, Satel, Necroz. Ça, c'était ce qu'il y avait avant, donc bah, Satel très contrôle et Necroz qui est rentré. Necroz, en fait, je le considérais justement comme un deck contrôle, parce qu'il y avait pas mal de cartes qui pouvaient s'activer pendant le tour adverse pour te protéger. À C'est la clair base, que c'est pas du tout. c'est bourrin, mais en même temps, ça peut être contrôle. C'est beaucoup plus bourrin que contrôle. Je me souviens, à mon décès, donc à mon Duel Center, avec donc mon pote qui jouait Necroz, on a participé à un tournoi tag. Et bah, la technique, c'était assez simple. Moi, le noir, je protégeais son deck. Donc c'est moi qui avais un deck très contrôle, et donc je le protégeais. Et c'est lui qui bourrinait, hein, clairement. C'est lui qui mettait les patates, voilà. Après, ça dépend aussi un peu du deck build. Il n'y a pas toujours une idée fixe pour chaque deck. Mais ouais, là on est arrivé à plus de 45 minutes. Alors moi, ça ne me dérangerait pas du tout de faire encore un quart d'heure supplémentaire, si tant est que vous avez encore pas mal de choses à dire, parce que sinon c'est pas vraiment utile. Moi j'aurais voulu parler un petit peu plus du nouveau type de monstre qu'a essayé d'instaurer Konami, les monstres pendules. Parce que j'ai deux trois trucs à dire dessus. Ok, alors ce que je propose, c'est qu'on fasse une partie supplémentaire juste sur les monstres pendules. Donc si vous voulez voir cette partie supplémentaire, regardez la vidéo suivante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!